Bonjour Juliette. Bonjour Jardine. Muriel, bonjour. Hélène Akono Valérie. Blandine, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne année. Je sais que tout ce que vous faites à bonne année, c'est manger le poulet. Nous sommes au quatrième jour de jeûne. Et pour ceux qui font le jeûne sec, normalement ils sont en train de casser à 6 heures. Certains ont cassé à minuit. Ils ont fait 3 jours de jeûne sec. Je demande la présence du Saint-Esprit. La Vierge Marie. Les anges. Et je demande aussi qu'ils puissent vous éclairer. Qu'ils vous donnent la direction dont vous avez besoin. Qui vous donne le focus nécessaire pour entrer dans cette nouvelle année. Je demande aussi que la vérité vous soit donnée. La vérité sur vous, la vérité sur votre mission. Que vous receviez la force. La force de tenir là où vous avez échoué dans le passé. La force de voir. Avec les yeux de Dieu et non vos yeux d'humain.
Je demande qu'un esprit de sagesse soit déposé sur vous. Que vous sachiez quoi faire. Et surtout que vous fassiez ce que vous devez faire. Je déclare que pour cette année, vous ne serez pas négligent. Vous ne serez pas distrait. Je déclare que vos émotions ne vont pas porter sur vous. Je déclare la lucidité dans vos décisions. Excusez-moi. Je vais lire des paroles et je voudrais que votre esprit soit ouvert. Pour que cette fois, vous ne preniez plus ces paroles comme du simple blabla. Mais que cette parole prenne vie dans votre esprit. Beaucoup d'entre vous, vous m'approchez. Vous dites que vous voulez être libéré. Mais vous avez encore l'ancienne façon de penser dans votre tête. Vous attendez, parce que vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui a votre libération. Que c'est quelqu'un qui tient votre destinée dans sa main. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a demandé. Quelqu'un à qui je tenais, qui m'a demandé avec insistance. De financer son projet. Je me suis rendu compte que il y a de cela 8-9 mois, personne n'a encore demandé la même chose. Et la façon de faire de la personne, c'était genre, je n'avance pas parce que tu me bloques. J'ai dit à la personne que toutes les années où j'ai galéré, je n'ai pas, même mon propre père, dans ma tête, mon père ne me doit rien. Et il ne me devait rien. Je suis là juste pour vous activer. Ceux qui sont prêts à être activés, vous serez activés. Ceux qui ne sont pas prêts à être activés, vous allez toujours accuser quelqu'un. Il est temps qu'en 2023, on arrête de mettre votre échec sur quelqu'un d'autre que vous. On te parle, tu n'écoutes pas. Même les vidéos, tu n'écoutes pas. Tu fais le sabito. Tu ne veux pas retrousser les manches. Tu ne veux pas prier. Quand il faut donner, tu ne veux pas donner parce que tu dis que tu n'as pas. Tu attends toujours que quelqu'un te vienne faire quelque chose pour toi. Tu perds ton temps. Ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à
Premièrement, j'ai compris que malgré toute l'aide que je cherchais, même les dragueurs, un dragueur vient, il prend ton argent, il part avec. Tu rencontres quelqu'un en Europe, il a les papiers, il a la maison, il a la voiture. Il te voit, tu n'as pas de papiers. Tu vis dans une petite chambre avec ton enfant. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles un peu pour avoir un peu d'argent. L'État ne te donne aucun argent. Tu prends le bus pour aller au travail. Tu travailles avec les cadres de quelqu'un d'autre. Même ton petit argent que tu as là, il vient, il prend, il part avec. Attends un peu. Tu attends qui? Tu attends qui? Tu n'as pas encore compris. Ta mère est déjà vieille. Elle n'y comprend que dalle. Quand on lui parle de spiritualité, elle est perdue. Regarde sa propre vie. On ne peut donner à quelqu'un que ce qu'on a. Bonjour Cécile, bonjour Roselyne. Même ton père. Ton père ne connaît pas comment on lance la poule au village. Il ne connaît rien. En tout cas, il prétend ne rien connaître. Disons ça plutôt comme ça. Parce que c'est dans son intérêt que tu n'avances pas. Donc tu n'as pas compris. La majorité de tes ex sont pauvres. Clara et Céline, bonjour. Même les deux qui ont percé, quand tu t'approches d'eux, c'est fou, hein? Tu peux avoir des ex qui ont l'argent. Hein? Même malgré tout son argent, tu pars vers lui, il te demande encore l'argent. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Tu te rends compte que de toute ta vie, personne ne t'a soutenu. Tu es comme une orpheline. Seule. Tu es là, tu as encore espoir. On parle, tu te couches sur le canapé de ta soeur, tu dors. Tu es dans la chambre des enfants de ta soeur chaque jour. Alors que tu as 30 ans, 32 ans. Flor et Guylaine, bonjour. Bonjour Zao. Je vais vous lire selon ce qu'ils m'ont demandé. Le proverbe. Je voudrais que vos oreilles ouvrez vos oreilles. Ndilo, si le départ de ta mère t'a affecté, meurs non, meurs avec ta mère, on t'enterre non. Tu vois que c'est dur de t'enterrer, Ndilo. Tu arrêtes la première personne que sa mère meurt, sa vie s'arrête. Hein? Tu ne seras pas la première. Meurs. Les gens qui ont tué ta mère vont aller. Ils vont s'asseoir, ils vont boire à ton deuil. Tu as suivi. La vie, c'est un choix. Chacun choisit son couloir. Comme ton père est mort là, oui, il va mourir aussi. Meurs. Si tu meurs, tu crois que le 1er janvier 2024 ne va pas venir. Le 1er janvier 2025 ne va pas venir.
Hein? La réalité est brutale, hein? La réalité est brutale. Mais vous devez vivre dans la réalité. Souvent, j'entends le système de pensée d'une jeune fille. J'ai une jeune fille que elle me dit qu'elle me prend comme un mentor. Je la regarde seulement. Elle est dans la vingtaine. Elle vit chez sa mère. Elle a un enfant. Ce n'est pas elle qui s'occupe de l'enfant. Elle a trouvé un petit travail. Au travail, elle n'est même pas concentrée. Est-ce que vous savez qu'il y a des environnements de boulot que ça te forge? Ça te forge le caractère. L'autre jour, la jeune fille tombe enceinte encore. Et elle a pris un remède là comme ça, là, ça. Ça a fait l'enfant est sorti. Par erreur. Elle commence à pleurer. Que mon enfant est parti. Je prends du temps, j'analyse la situation de cette jeune fille. Je l'appelle. Je lui pose quelques questions. Ton premier enfant est où? Qui s'en occupe? Hein, c'est la mère de son père. Tu vis déjà chez toi? Non. Je pose des questions. Tu es prêt à avoir un autre enfant? Non. Mais je me suis dit que, comme c'est déjà là, il fallait que je fasse une fois, non. Tu ne sais pas que Dieu t'a même aidé. Tu as fait une première bêtise, tu étais folle. Tu es dans le début de ta vingtaine maintenant. Avec tout ce que j'enseigne chaque jour. Tu vas encore aller porter notre grossesse. Et le père n'est même pas encore, ce n'est pas quelqu'un qui est engagé avec toi. Ça fait seulement quelques mois que vous êtes ensemble. Tu dis que analyse ta vie. Toi-même, analyse ta vie. En 5 ans, tu ramènes deux petits-fils à la maison. Tu n'as même pas un salaire qui peut te permettre d'occuper de deux enfants. Tu attends que quelqu'un veuille te sauver. Est-ce que c'est difficile de dire à une jeune femme, trouve une situation avant de faire n'importe quelle folie dans ta vie? C'est compliqué, c'est dur. Trouve une situation. Assure-toi que même si je reste à la maison parce que la grossesse est dure, pendant 1 ou 2 ans, j'ai mon argent qui entre ici, là-bas. J'ai déjà positionné telle chose qui donne l'argent. Si j'arrive à l'hôpital, on dit césarienne d'urgence. Je fais comme ça là. L'argent sort. Écoutez. Par exemple, tu es couché sur le lit d'hôpital. L'enfant est en détresse dans ton ventre. Tu as déjà fait 3 jours de travail. On te dit qu'on doit opérer dans les 2 heures qui viennent. Tu as en tout pour tout sur toi 25 000. Arrêtez les trucs qu'on dit que je ne savais pas, je n'avais pas prévu. Devenez intelligent, be smart. Quand je vois les gens qui sont bêtes, ça m'embête. Ça me dérange. La sagesse peut entrer par le suppositoire, ça peut entrer par la bouche, ça peut entrer par les oreilles.
Parce qu'on vous parle de la sagesse. Je vous parle d'un pas, vos oreilles, vous ne comprenez pas, non. Si tu tombes malade, tu vas prendre les médicaments par la bouche, non. Pour l'autre entrée, je ne sais pas comment on fait pour que la sagesse entre par là. Devenez sage. Enseignez ça à vos enfants. Ton enfant a 16 ans. Fais, il cherche le stage, il commence à bosser. À 18 ans, comme ça, ton enfant paye une partie des factures à la maison. Tu en profites quoi, Guylaine? Elle t'amuse pas avec moi. Et j'en profite ce matin. Venez toujours exposer vos rêves comme ça aux gens. Interprétation des rêves, c'est 50 euros. 50 euros, c'est 33 000. Tu as compris? Venez toujours exposer vos rêves. Quand va venir lire le commentaire, va t'écrire en inbox que j'ai vu telle chose sur toi. Voilà, vous voilà. Venez vous exposer comme ça aux gens. Vous voilà. Vous voilà. La majorité des jeunes filles camerounaises n'ont pas de compte d'épargne. N'ont pas d'argent qu'elles ont gardé quelque part. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on a développé dans ta tête la mentalité que il me faut faire la coiffure. Tu vas te coiffer à 10 000. Ton salaire, c'est 70 000. Tu es bête. Rase les cheveux là. Va faire les nattes au kachia à 500. Va faire 6 nattes. Vous n'avez pas de backbone. Pas de backbone, c'est genre sa colonne vertébrale qui te soutient. Tu m'écoutes depuis un an. Tu n'as jamais mis 50 000 de côté. Ma chérie, 2023, désabonne-toi. Quitte derrière moi. Tu as compris? Quitte derrière moi. En partant du pays, tu peux aller ouvrir ton compte d'épargne dans une petite microfinance là. Parce que les microfinances ne vont pas vous prendre trop de frais d'entretien de compte. Les nouvelles banques là, c'est des conneries. Pour les jeunes qui veulent épargner de l'argent, c'est des conneries. Hein. On te dit frais d'entretien de compte, 30 000 l'année. Frais de ceci. Mensuel de quoi, taxe de TVA, gna gna gna. On te prend 6 000 le mois. Va dans une microfinance, tu ouvres le compte. Vous voyez, je fais les ongles maintenant comme ça là. Vous avez les ongles là. Tu es là, tu n'as même pas 50 000 de salaire. Tu veux faire les ongles. Les 4 000 que tu allais dépenser pour faire les ongles là, c'est 3 500 000. Prends, tu peux mettre dans le compte, tu gardes. Je le dis encore, une jeune fille peut devenir sage sans que la vie ne la touche. Tu n'as pas besoin de faire 3 enfants avec 3 hommes différents. Il t'abandonne avec les enfants, tu souffres. C'est à 45 ans que la sagesse vient. Tu n'as pas besoin de ça, ma chérie. Si vous allez vous parler, vous allez vous m'écouter. Vous tournez comme les pampampés, vous tournez avec les mini-jupes. Tout ce qui est dans ta tête, c'est la fête où tu vas partir. J'ai parlé de la conférence que j'ai demandé 15 000 fois la conférence ce soir. L'habit que tu as acheté pour partir à la fête ce soir, c'est combien? Habit plus chaussures. Avec coiffure. Tu vas porter, tu vas aller danser, tu vas te bourrer. En espérant que le gars qui t'a amené, qu'après va me te donner 20 000 ou 30 000. Vous-même, vous cherchez vos problèmes. Vous-même, vous cherchez vos problèmes. Généralement, ce sont les filles anglophones que j'ai vues comme ça.
filles anglophones. Elles sont pas, elles sont. Tu vois, une fille anglophone, tu vas croire qu'elle est une ça. Elle n'a pas vraiment d'habits particuliers sur elle. Tu la vois, elle travaille quelque part. Elle est serveuse. Tu dois te dire que ça fait 5 ans qu'elle travaille à la Boukatan. Elle te montre l'argent qu'elle a déjà économisé. Avec 70 000 de salaire. Elle te dit que son rêve, c'est d'ouvrir sa part de restaurant. Ou tu vas voir le week-end, elle sort et vend le bouillon. Ou elle porte le bol de... J'ai parlé un jour, il faut un taximan. Il me dit que sa femme, elle vend les fruits à la sauvette. Donc, elle porte les grandes bassines sur la tête. Elle met les baguettes de fruits dedans. Les fruits qu'on vend à 500 au marché, là. Il dit qu'elle ne manque pas 6000 francs de bénéfices par jour. 6000, multiplie 6000 par 5 jours seulement. Ça fait 30 000 par semaine. Donc, 30 000 par semaine, tu multiplies par 4. Ça fait 120 000. Pour une fille qui porte les fruits sur sa tête et marche dans le doigt là, et met les glaçons dedans. Tu es là, tu portes l'habit. Tu as l'uniforme qui est Nyanga. Tu marches dans les grands bureaux. Après, on te paye 75 000 le mois. Ton agent de taxi, c'est 20 000. Quand tu retires 20 000 sur ça, tu as 55 000 qui restent dans ta poche. On vous a lavé le cerveau. Tout pour vous, c'est la beauté. Il faut qu'on vous voie. Il faut qu'on vous voie. Il faut qu'on sache que tu as aussi. Tu n'as pas encore, ma chérie. Tu veux qu'on voie que tu as. Tu n'as pas encore. Au cas où. Où tu as. Quand tu as, ce qui se passe, c'est. Hein? Ce qui me plaît beaucoup chez les Anglais. La culture anglaise, c'est une culture. Si tu arrives quelque part dans une usine, il y a de fortes chances que, en descendant là où on fabrique, dans le warehouse, que tu trouves le patron là-bas, habillé comme les ouvriers. Et généralement, ce sera la personne qui s'active le plus que tu vas voir, c'est lui le patron. Tu vois, le voyage, il a dit, bougez pas là-bas, il porte ça. Il va là-bas. Il dit, allez, arrangez ça comme ça, faites comme ça. C'est quoi cette mentalité française qu'on est venu mettre dans votre tête? Qui vous fait souffrir et vous ne voyez pas? C'est ça qui m'énerve. Cette année, qui a envoyé ton enfant à l'école? Tu n'as pas honte que tu accouches enfant, c'est une autre personne qui paye pour que l'enfant batte à l'école? Même les hommes n'ont pas honte pour l'autre. Les hommes camerounais n'ont pas honte. Ils ont mangé la honte. Ils ont mangé la honte, ils ont bu l'eau. J'ai une connaissance comme ça. Il a deux enfants. Le premier enfant, sa mère a pris pour s'en occuper. Genre, elle a dit tout ce qui concerne l'enfant, école, nourriture, c'est moi qui paye. Juste qu'il n'a même pas honte. Un père, il est dans la trentaine. Il reste en cause, il me dit. Ouais, voilà. Il peut encore faire un deuxième enfant. Le deuxième enfant a moins de 5 ans. Et le jour, il reste, j'ouvre les petits entrées dans ta d'argent. 20 000. Je dis que quand tu as même 20 000, fais des dépôts de 1 000 francs dans le téléphone de la mère qui s'occupe de ton enfant. C'est la grand-mère maternelle de sa fille qui s'occupe de cet enfant.
Je dis, tu vois cette grand-mère là-bas, elle est là-bas, elle n'a même pas d'abord l'argent. Pour même d'abord, heureusement que la maison, c'est sa maison, donc on ne paye pas le loyer. Tu n'as pas, tu as mangé la honte. Vous allez bien venir commenter, cela dit oui, yeah. Mais il n'y a pas un sens de responsabilité dans vous. Vous ne pensez vraiment pas à demain. Dès que tu as l'argent, un problème sort. Tu cours. Parabra. Tu sors tout ton argent, tu donnes sur ça. Quand je vois une jeune personne, j'avais une petite fille qui me suivait en Angleterre. Ça arrivait en Angleterre l'année où je partais. Elle n'avait pas de papier. Je reste, elle me dit. Depuis un an et demi que je suis arrivée en Angleterre, je travaille avec les cas des gens. Elle avait 26 ans à l'époque. Hein. Je crois qu'elle avait 32, 30 ou 31 ans. Je travaille avec les cas des gens. J'ai mis un peu d'argent de côté. Et voilà. Je demande, tu as mis combien de côté? Devinez combien la jeune fille avait. Sans papier en Angleterre. 26 ans. Ça fait moins de 2 ans qu'elle est là. Elle a économisé 20 000 pounds. 2 000 000. 20 000 pounds. Je reste comme ça. Le jour où il m'a dit le montant, j'étais choquée. £20 000 en CFA, dans les 7 millions fois 2. Donc dans les 15 millions. En 2 ans, une jeune fille de 26 ans a mis de côté 15 millions de francs CFA. Et quand elle me parlait, elle disait qu'elle voulait investir dans une. Elle avait deux options, une maison de repos ou bien, je sais pas, la deuxième option, je sais pas ce que c'était. Et elle dit que ça faisait 5 mois qu'elle était enceinte. Donc, début de grossesse, elle a travaillé. Et là, la grossesse commençait à peser, donc elle avait arrêté le travail. Elle dit que quand elle est tombée là-bas, elle travaillait comme une malade. Elle me dit déjà que quand elle était au Cameroun, elle s'était débrouillée, elle avait acheté 2 taxis. Petite fille de 24 ans au Cameroun, 2 taxis. Après, elle s'est battue. Elle a fait ses petits trucs comme ça, l'attaque. Elle a eu un réseau, elle a payé, pap, elle est partie en main. Vous avez besoin d'entendre l'histoire des gens. Il n'y a pas de papier. C'est pour ça que je n'ai rien. Je n'ai pas. Tu as 35 ans. Tu as tes 2 mains et tes 2 pieds. Va voir dans ton armoire combien de sacs Louis Vuitton tu as. Va voir les Michael Kors qui sont dans ton stade, dans ta valise là-bas. Va voir. Et tu vis même chez quelqu'un. Hein? Tu es chez quelqu'un, tu as les sacs Louis Vuitton. Et ah, j'ai acheté à Château Rouge. C'était à 250 euros. Va voir le nombre de parfums que tu as acheté. Tant que tu cherches à impressionner d'autres personnes, tu n'as pas encore compris. Actuellement, j'ai la paresse d'aller à la. J'ai même pas le temps d'aller me coiffer. On est en train de jeûner. Moi, j'ai détaché, je devais aller me coiffer depuis. Quand ils voient que mes valises font 6 heures, j'ai dit non, non, non. 6 hours. C'est too much.
6 heures. Je m'assois et regarde le miroir comme ça sans rien faire. En plus, dans cette fin d'année où il y a trop de choses à faire. Si tu veux, ne regarde pas mes vidéos parce que mes cheveux sont comme ça. Il m'en fout. Il m'en fout de toi. Donc, je vais vous lire les proverbes. Et je veux que votre esprit soit ouvert. Quand David a eu Salomon, David marchait beaucoup avec Salomon et lui prodiguait beaucoup de conseils. La mère de Salomon même, elle-même aussi, elle parlait beaucoup à son fils. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir une sagesse parentale, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont la sagesse à te donner. Il y a certains parents qui sont là seulement pour t'enfoncer, malheureusement. Il y a des mères qui conseillent à leur fille d'aller faire la prostitution. Oui. Tu vois une mère, ta fille a 17 ans, tu commences à lui dire qu'il faut qu'elle paye le loyer. Elle va prendre l'argent où? Attends, elle finit même le bac, elle commence à travailler quelque chose avant de dire que tu... Elle paye. C'est pour l'envoyer d'aller faire la prostitution, non? Donc, il y a des personnes que vous n'avez pas eu le bonheur d'avoir une mère ou un père qui va vous donner des conseils qui vont porter sur votre vie. Ce n'est pas une excuse pour échouer. Duty first. If you know how I love that word. Me, it's duty and money first. Duty and money first. Because I know money can get me anything. And if I have enough money, I'm above a lot of people. You don't have money, you're below everybody. Everybody will trample upon you. They will talk anyhow about you. They will talk anyhow to you. You don't have money. What are you going to do? Tomorrow you come and beg them. Please, can you, please. You send picture for Christmas to all your aunties and uncles. Look at my baby girl. Because you're waiting for 10,000. This beggar mentality, I just don't like it anymore. And I was so used to giving money away. The last 2 months, I've stopped. I used to stay like this, and I'm like, Sasaye, who wants money? I write in my family forum, and everybody would just be like, this is my orange money. I would just give them my accountant's details. I say, whoever send the message and say, Jocelyn is sending me, just send them the money. Christmas arrived. They started saying, oh, this is the picture of your niece. This is your niece. And I'm like, oh, she's beautiful. Oh, Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Don't put her to the phone. Don't give the phone to your baby to say Happy New Year to me. Don't. I'm not doing that anymore. Les proverbes de Salomon. Lançons dans la parole. Proverbe de Salomon, fils du roi David. Ce n'est pas parce que Salomon était fils d'un roi que lui forcément allait avoir la sagesse des rois. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a le bon sens? Quand le bon sens entre dans toi, tes jours de souffrance sont finis. Tu ne vas plus jamais souffrir dans ta vie. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simpletons, ici ça dit simple, mais moi je dis les simpletons,
le discernement. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, c'est-à-dire tu es déjà sage. Ne dis pas que tu connais, viens encore, écoute encore. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent va acquérir de l'habileté. Ma grand-mère paternelle, elle avait toujours l'habitude de dire que tu peux être intelligente à l'école n'importe comment. Mais la sagesse de la vie, c'est moi qui vais t'apprendre ça. Ça m'énervait. Parce que j'étais toujours dans les 5 premiers de ma classe. Et quand je rentrais à la maison, je gonflais. Quand je gonflais comme ça, là, elle m'insulte. Regarde-toi là-bas. Tu vois, comme tu passes à l'école, tu avais dit que tu connais comment la vie est. Ça m'énervait jusqu'à. Paix à son âme. Maman Esther, que tu reposes en paix. Pour saisir le sens d'un problème, d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous n'aimez pas qu'on vous parle. On donne les conseils. Je connais. Combien d'entre eux j'ai observé, ils sont passés. Quelqu'un vient te montrer comment gérer tes affaires. Je dis que tant que tu n'as pas un chiffre d'affaires qui dépasse ma part, tu ne peux pas me dire comment gérer mes affaires. Jamais. Je ne fonctionne pas sur les idées. Je ne fonctionne pas sur les théories. Même les comptables et les conseillers, tu es parti à l'école, tu as appris. Monsieur, je suis sur le terrain. Tu viens, tu fais ce que je t'ai dit. Si il faut compter mon argent, tu comptes parce que je n'ai pas le temps pour compter. Et je ne saurais même pas bien compter. Mais si c'est la sagesse du business, de décision. No, don't try. Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, escroquons les gens là, mentons ici, faisons le business, on met la marchandise, on ment. Engloutissons tout vif, engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts. Et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie. Simpleton, venez. Simpleton, écoutez. Simpleton, voici comment on devient riche. Voici comment on devient indépendant.
Jusqu'à quand, stupide simpleton, aimerez-vous la stupidité? Proverbe 1, verset 22. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront la science. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Le premier signe du simpleton, c'est qu'il n'aime pas quand on le critique. Il connaît tout. On dit non, regarde, tu ne vois pas que là-bas, c'est ça que tu as fait qui a fait que tu tombes. Tu es qui? Pourquoi tu me parles? Hein? Simpleton. La correction n'est pas mauvaise. Tu n'acceptes pas la correction de quelqu'un qui t'aimait. La vie va te corriger. La vie va te gifler. Puisque j'appelle. Elle dit, verset 23, Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Quand tu écoutes, il dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Bonjour Vanessa. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et vous résistez. Puisque j'étends ma main et personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils, moi Jocelyne, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Elle parle, ça vous plaît pas, non? Moi aussi, j'irai quand vous serez dans le malheur. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Ma reine, je te suis depuis 2 ans. J'ai fait telle chose avec tel homme. Après, il m'a laissé les parties. Ma reine, je suis... J'ai une jeune fille qui est venue l'autre jour. Non, je vais raconter son histoire ici. Elle commence le travail avec moi. Je lui donne les conseils. Je dis, patiente, fais comme ça, fais comme ça. Elle dit, gnagna. Elle commence à me harceler tous les jours. Elle m'écrit. Elle m'écrit tous les jours. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre sur TikTok. Elle écrit à la personne là. La personne lui écrit, elle commence à répondre. Elle écrit. Elle porte son argent, elle envoie à la personne. La personne l'escroque. Elle commence à lui faire le chantage. À votre avis, qu'elle est revenue me parler? Quelle est la première chose qu'elle devait lui dire d'abord? Que j'étais dit non. J'étais dit non. Proverbe 1, verset 26. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Oh, la partie c'est sucré. Vous allez m'appeler, mon téléphone va sonner. Il ne veut pas répondre. Ça, c'est seulement moi. La sagesse, alors, c'est grave. Madame Sagesse, quand elle vient, tu ne réponds pas. Le jour où tu l'appelles, elle n'est jamais là. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. On te dit ne pars pas en bain. Moi aussi, je vais partir en bain. Il va partir en bain. Tu tombes dans le ngunda, te voilà. Après, on dit qu'on va te déporter. Aide-moi, il faut que mes papiers marchent. Aide-moi, il faut que mes papiers marchent. Je t'avais dit pas partir en bain, non? N'est-ce pas? Verset 32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte.
sans craindre aucun mal. Vous savez, je me rappelle à une époque de ma vie, hein. Je restais comme ça, j'avais peur. Tu vois, tu restes comme ça, tu te dis que si je tombe malade ici, j'arrive à l'hôpital, on dit qu'il faut 2 millions pour me soigner. Gars, c'est que je vais mourir. Ce n'est personne qui va sortir cette somme d'argent. Et moi-même, je n'ai pas la somme d'argent. Oui. J'ai vécu dans l'insécurité pendant beaucoup d'années. Et ce n'est pas parce que tu es pas, tu, ce n'est pas parce que tu es careless. Careless, ça veut dire tu t'en fous. Donc tu as négligé ta vie. Actuellement, tu n'as rien épargné, tu n'as rien investi. Tu n'as aucun projet. Ce n'est pas parce que tu es comme ça que tout le monde est comme toi. Hein. J'ai des gens que j'ai rencontrés, la personne te dit, moi j'ai 42 000 euros que j'ai économisé. Tu dis, hein? Et tu la vois de la tête aux pieds, elle aussi là, elle est toujours ça. Toi tu es belle, tu gonfles. Mais elle a quelque chose que tu n'as pas. Elle a l'assurance. Bon, si vous continuez à lire, vous allez voir que la sagesse vous donne l'argent. La sagesse, tu dois rechercher la sagesse plus que l'argent. Donc, prends l'argent que tu as. Donne pour acquérir la sagesse. Et il y a une différence. Quand tu restes, tu as un problème. Tu sais quand même que si j'ai un problème de 200 euros, je ne vais pas courir comme une folle pour appeler tout le monde pour demander l'argent. Si j'ai une maladie imprévue qui sort dans la famille, je ne vais pas courir pour faire les réunions familiales imprévues à 2 heures pour dire qu'on cotise l'argent pour donner pour que je m'occupe de mon enfant. Tu as grandi en voyant ta mère paniquer chaque fois que quelqu'un est malade à la maison. Elle arrive à l'hôpital, elle appelle les gens, elle pleure comme dans les films nigériens. Please, oh, I beg papa, help me, oh. Please, oh, my baby go die, oh. Tu as grandi en voyant ta mère toujours supplier les gens tous les jours. Elle supplie les gens tous les jours. Dès que tu as l'argent, tu peux dépenser aussi. Tu es en train de suivre le même pas que ta mère. Nandje, regarde sur la page, tu vas voir les numéros. Et je ne vous écrirai pas en commentaire. Je ne vous contacterai pas pour dire que j'ai vu quelque chose sur vous. Donc, il y a les Femmes qui sont sur ma page et qui contactent les gens qui suivent mes vidéos. Donc, si on vous écrit, c'est que ce n'est pas moi. Même si vous voyez ma photo sur le profil de la personne. Bon, que t'es un nion. Je ne suis pas moi là. C'est pas moi. Toute vision que tu vas développer demain, ça commence aujourd'hui. Tout ce que tu vas voir demain, ça va te porter le fruit jusqu'à ce que tu vas voir. Tu vois que quand elle est dans sa maison, ça va demander un sacrifice. Ça veut dire qu'à une époque de la vie de cette femme, elle se privait des choses. Parce qu'elle est en train de construire au pays. J'ai une tante comme ça en Europe, elle en Suisse. La femme la bosse comme une malade. Quand tu lui dis, bonjour tata. Oui, je sors comme ça de night shift. Oui. Oh, le sommeil sera doux après. Merde. Amel, tu as bien dit qu'il n'y a pas la solidarité, que personne ne t'aime. C'est vous-même qui condamnez vos enfants. Hein? Vous suivez. Bonjour Marcel de Malabo. C'est vous qui condamnez vos.
Aïe, tu vas avoir l'amertume dans ton cœur. La tata là, elle a construit, elle a acheté même 5 terrains au pays. Elle a même construit sur 2 terrains. Et j'ai que maximum dans 5 ans, je prends ma retraite. Je viens m'asseoir au pays, j'ai mes immeubles, j'achète ma marchandise et je vends. Il y a d'autres femmes de son âge que tu vas aller voir même avec même un petit 100 mètres carrés quelque part, ils n'ont pas. Pas deux, et un. Ils n'ont pas. Tout ce que tu sèmes dans ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu vas récolter. Tes enfants vont récolter. Et je dis toujours, vous devez ça, vous devez de réussir. Beaucoup d'entre vous, vos parents ne vous ont rien laissé. Tu n'as aucun héritage. Tu es là où tu es parce que tu as grandi seul. Tu as économisé ton argent seul. Tu sortais pour vendre ta marchandise seul. Personne ne t'a dit un jour que prendre 100 000 francs pour fonds de commerce. Personne ne t'a jamais donné un petit fonds de commerce quelque part. Est-ce que tu crois que tu vas avoir l'argent, tu vas aller faire les mêmes erreurs que ta mère a fait? Non. Dans sa vieillesse, ta mère vivait dans leur maison familiale. Elle est rentrée vivre dans leur maison familiale. Elle est rentrée vivre dans leur maison familiale. Si tu commences à planifier ta vieillesse à 30 ans, tu crois qu'à 60 ans, tu n'auras pas déjà quand même mis quelque chose de côté? Que la sagesse entre dans votre tête. Je tape comme ça, que ça entre dans ta tête. Que la sagesse entre dans votre tête. Jusqu'à tu te vois à la fin d'année comme ça. Tu dis, waouh, j'ai changé. Avant, en un an comme ça, j'ai acheté même 7 paires de chaussures. 5 sacs à main. 3 perruques. Voilà ça que j'ai converti. J'ai acheté 2 terrains en 2023. Voilà les papiers de mon terrain. Voilà les papiers. Tout c'est la détermination. Hein. On te voit, tu es petite comme ça, tu es caissière. On te simplifie. On ne sait pas que tu vends le foléra dans chez 5 boutiquiers au quartier. Le foléra te donne le bénéfice de 4 000 par jour. Tu peux encore faire ta caissière quelque part. Tu as peut-être 80, 90 000 là-bas. 80 000. L'argent du foléré, tu prends, tu mets ça dans le compte d'épargne. Les 4 000 là, tu ne touches pas. Tu décides que chaque jour, je vais mettre 5 000 en banque. Chaque jour, je mets 5 000 en banque. Je ne touche pas pendant un an. Et je vais faire la multiplication pour vous. Attendez. Parce que si je ne connais pas ce que tu vas faire avec ton argent,
un homme va venir dans ta vie pour te montrer comment dépenser ton argent, ma chérie. You go see him. Oh, c'est fou comme les hommes là peuvent te montrer comment ils vont dépenser ton argent. Je wonder parfois. Elle dit, mais tu es fou. Quand je gagnais l'argent là, tu étais avec moi. Nawati. Si tu mets 5 000 en banque chaque jour, à la fin de l'année, tu as 1 825 000. Il y en a parmi vous que dans de toute votre vie, vous n'avez jamais eu dans votre possession 500 000 qui vous appartiennent. Jamais. Tu as 35 ans, tu as 40 ans. Tu n'as jamais. Peut-être tu es parti prêter à la Réunion. Tu voulais faire les papiers. Tu es parti prendre 2 millions à la Réunion. Ça n'a même pas marché. Tu as tellement payé qu'il reste seulement peut-être 800 000 actuellement. Tu es fatigué. Avoir l'argent que quelqu'un t'a prêté et avoir ton argent toi-même que tu as économisé, oh, le goût est différent. Les deux là, ça a un goût différent. L'argent de quelqu'un n'est pas sucré comme ton propre argent. Ton propre argent qui n'a pas la pression sur ça. Donc si tu commences le 1er janvier, on va dire le 4 janvier, tu peux ouvrir le compte. Tu mets déjà 20 000 dedans parce que tu as perdu 4 jours. Tu décides de 3 business, 3 petits business que tu vas faire. Un donne 2 000 par jour, l'autre donne 2 000. Tu prends 1 000 francs peut-être de ton salaire. C'est-à-dire quand tu reçois ton salaire, tu prends 30 000 de ton salaire, tu mets de côté. Et dans les petits jonglages d'à côté, là, ça te donne 4 000 par jour. Ça veut dire que le 31 janvier, le 31 décembre 2023, tu auras en ta possession 1 825 000. Psychologiquement, quand tu peux déjà mettre cet argent de côté, par tes propres actions, pas que tu allais draguer un gars, tu as attendu, tu peux coucher avec lui chaque jour, pour qu'il te porte 1 million, il te donne. Non, non, pas le genre là. Si tu as pu bosser, te discipliner pendant 365 jours et économiser cet argent-là. Ma chérie, tu ne seras jamais pauvre dans ta vie. Parce que les 1 million-là, tu ne peux pas aller manger ça n'importe comment. Et si c'est moi, dès que j'ai fait le business de 4 000 par jour, après, il va encore réfléchir. D'ici la fin d'année, je vais me retrouver un business qui me donne même 20 000 par jour. Je ne connais pas faire un truc, je reste seulement sur ça. Je vais multiplier, je vais faire le foulerie. Après, je vais dire, oh, les beignets, je vais faire les cupcakes. Les petits gâteaux, là, petits gâteaux qu'on fait dans les cupcakes. Après, les cupcakes, je vais dire que non, il faut que j'ajoute encore. Je vais me retrouver en train d'ajouter quelque chose sur ça. Jusqu'à la fin d'année, au lieu de 5 000 par jour, je vais mettre 20 000 dans le contrat. Et il y a un truc que j'ai remarqué avec l'argent. Comment on dit que l'argent appelle l'argent? Quand tu as l'argent, hein, c'est comme si tes oreilles et tes yeux voient maintenant les business qui sont au niveau d'argent que tu as. Supposons que tu n'as jamais eu 200 000 dans ta main. Tu marches, tu vois un endroit, il y a un local avec un chiffre d'affaires que tu mets investi là-bas, tu vas prendre peut-être même 2 millions. Et que là où tu es là, tu souffres même pour avoir 100 000. Tes yeux ne vont jamais voir le business de 2 millions. Jamais. Mais quand ton argent commence à monter 500 000, un mois plus tard, tu pars en banque, tu vois 600 000. Après encore, tu pars, tu vois, j'ai 900 000 dans mon compte. Tes yeux vont commencer à regarder les business de 900 000. 1 million. Tes yeux vont commencer à regarder les business de 1 million 5. Tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de changer. Il y a l'histoire de cette dame qui s'appelle Nichols. Nichols.
Lisa Nichols, c'est une américaine. Je vais vous raconter son histoire. Lisa Nichols, c'est une femme américaine. Dans la vingtaine, elle a fait l'enfant avec un monsieur qui a été condamné quand l'enfant avait, quand elle avait 7 mois de grossesse. On l'a mis en prison à vie. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et elle avait un petit boulot. Elle est dyslexique. Elle avait des rêves. Elle a commencé à écouter les Jim Rohn, Tony Robbins. Elle a rêvé d'être aussi une coach, une grande coach. Mais il n'y avait personne pour investir en elle. Si tu vas sur YouTube, tu écris Lisa Nichols, tu vas la voir. Lisa Nichols, avec C. Nichols. N-I-C-H-O-L-S. Voilà. Elle a écrit beaucoup de livres aussi. Son histoire date de moins de 15 ans. C'est pas un truc, elle date de moins de 15 ans. Donc, son fils s'appelle Jelani. Avec cet enfant, donc, elle s'est rendue compte que l'homme l'a en prison. J'ai l'option du social. Le social commence à s'occuper de moi. Vous savez, en Europe, quand tu as la nationalité et que tu as un enfant, ils ont, le gouvernement voit tes revenus et ils peuvent te donner l'argent chaque mois. Parfois, ils vont chercher une maison pour te donner. Au lieu de payer, si la maison coûte peut-être 500 000, au lieu de payer 500 000, on va te dire de payer 250 000. C'est ça qu'ils appellent les logements sociaux. Maintenant, il y a aussi le statut de job seeker, c'est-à-dire tu cherches le boulot. Quand tu dis que tu cherches le boulot à l'État, l'État te met dans ce genre de maison où tu payes moins cher. Et chaque mois, il te donne un peu d'argent. Mais l'argent qu'il te donne, c'est juste assez pour que tu survives. Donc supposons que tu as besoin pour vivre, tu as besoin d'un million de francs CFA. Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui m'écoutent. Donc je vais laisser que j'éduque un peu les gens de l'Afrique. Parce que beaucoup de personnes en Afrique ne connaissent pas un peu comment le système européen fonctionne. Donc si tu as besoin de 1 million de francs CFA pour vivre, l'État va te donner 500 000. Le loyer d'abord va te prendre 250 000. Donc tu vas te retrouver avec 250 000. Ce qui fait que quand tu vas vivre dans ton quotidien, tu vas devoir vivre sur le minimum. Tu vois, non, tu ne peux pas papa de héros à la maison tous les jours. Tu ne peux pas manger. Tu ne sais pas comment. Vous avez compris ce que je veux dire. Ok. Donc, Lisa Nichols, elle s'est dit ceci. J'ai l'option de rester sur le social avec mon petit boulot que j'ai ici. Et voilà, j'élève l'enfant, je galère. L'autre option qu'elle a choisie, elle a décidé de poursuivre ses rêves. Donc, elle explique dans son histoire. Allez en ligne, son histoire est partout. Si vous comprenez l'anglais, elle raconte son histoire. Elle a dit donc pendant 3 ans, elle ne faisait plus ses cheveux, elle ne faisait plus ses ongles, elle n'achetait plus le make-up, elle ne sortait plus, elle ne mangeait plus dehors. Même le McDonald's, elle n'achetait pas le McDonald's à son fils. Quand l'enfant voulait le McDonald's, elle partait l'acheter au supermarché. Elle vient, elle coupe le pain là, elle fait le hamburger à la maison. Au lieu de dépenser peut-être 10 $ pour le hamburger, elle va dépenser peut-être 3 $ à la maison. Donc, elle a commencé donc à faire ça. Et chaque fois qu'elle avait un peu d'argent, elle mettait de côté. Donc, elle avait créé un compte d'épargne dans une banque américaine. Et chaque fois qu'elle avait un peu d'argent, donc, c'est la même tricée que je ne sais pas si tricée, mais je ne pense pas que c'était seulement l'argent de son salaire. Elle dit qu'en 3 ans, tout petit argent qu'elle avait, au lieu d'aller faire les ongles, au lieu d'aller manger, faire les takeaways, non, elle partait pour le restaurant, elle ne buvait pas les trucs de Dior, rien. Tout ça, elle mettait dans le compte. Et à chaque fois, elle écrivait sur le compte là, sur le chèque qu'elle faisait, Funding My Dream. Funding My Dream, ça veut dire financer mon rêve. Donc, un jour, après 3 ans, imaginez 3 ans. 3 ans à te discipliner.
Un jour, elle va, après 3 ans, elle va au. Et elle dit qu'elle avait changé d'appartement parce que avant, elle vivait dans un appartement de 3 chambres avec son fils. Donc son fils avait sa chambre, elle avait sa chambre, ils avaient une chambre d'étranger. Elle a déménagé de l'appartement là. Elle allait dans un petit appartement où elle avait un colocataire. Et elle dit que le colocataire fumait même le truc là, l'oncou. Vous connaissez l'oncou là? Il fumait le truc là. Et souvent la nuit, même quand elle rentrait, elle devait mettre la serviette en bas de sa porte pour que l'odeur n'entre pas dans la chambre. Elle dit qu'un jour, même qu'elle n'avait pas, elle n'avait même pas l'argent pour acheter les couches de l'enfant. Jusqu'à là, elle a dû prendre la serviette pour mettre sur les fesses de l'enfant, comme si c'était la couche. Et pendant ce temps, elle lisait beaucoup de livres, elle se documentait, elle se formait elle-même. Donc un jour, elle s'est dit, OK, il faut que j'aille voir combien j'ai déjà dans ce compte. Elle arrive à la banque. Elle dit, je viens pour checker le solde de mon compte. Dès qu'elle donne le nom du compte, la caissière appelle une autre caissière. Elle dit que c'est elle, c'est elle. C'est la femme de Fondy My Dream. C'est la femme qui fait financer ses rêves. Elle dit qu'on. Bon, généralement, quand tu vas à la banque, tu demandes le solde de ton compte, on ne te dit pas. On ne dit pas, madame, vous avez 500 francs dans le compte. On ne te dit pas. Donc, on écrit sur le papier, on te glisse, tu regardes. Donc, elle dit que la dame écrit sur le papier. Elle glisse, elle regarde. Elle dit qu'elle écrit comme ça. Elle dit non, 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 non. J'ai dit que mon compte, c'est le 8, 4, 5, 6, 2, 0, 7. Elle redit son numéro de compte. Que checker encore, ça ne peut pas être mon compte. Elle avait 63 000 dollars dans son compte. Et c'est une personne qui dit qu'elle n'avait jamais vu autant d'argent. Elle n'avait jamais eu. Tu sais que quand tu es noir, tu es aux États-Unis, tu es dans la minorité, tu as des. Je sais pas, tu vois, tu es défavorisé beaucoup de choses. Et elle dit que la caissière lui a demandé que c'est quoi ton rêve? Elle dit, ah, je ne sais pas encore ce que c'est mon rêve correctement, mais je sais que j'ai l'argent pour financer mon rêve. Donc allez sur Internet, vous tapez le nom Lisa Nichols. À l'époque, elle avait aussi beaucoup de poids. Elle était en surpoids. Je crois que ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'elle a perdu du poids. Et elle s'est mariée, ça fait 2 ou 3 ans, 2 ans je pense. Elle s'est mariée à 55 ans. Elle était dans la cinquantaine, en tout cas, elle s'est mariée. Tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, dis pas que tu vas te mettre avec quelqu'un. Jusqu'à vous allez vous asseoir, jusqu'à dire que bon, on se met ensemble. On se marie. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez, vous étiez dans le mariage. Par rapport à ça, je n'ai rien à dire. J'ai beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent. Cherche-toi un modèle. Tu veux ressembler à qui demain? Est-ce que tu veux souffrir? Tu peux t'inspirer des échecs des personnes ou des réussites des personnes. Tu peux peut-être dire, je ne veux plus passer mes journées. J'ai des maisons où j'ai vécu quand j'étais. J'ai fait beaucoup de maisons quand j'étais petite. Il y a des, je m'appelle, il y a une maison en particulier où on était là-bas. La mère d'abord avait même là-bas accouché même 6 enfants. Parmi ces enfants-là, il y avait d'autres qui avaient même déjà accouché. Donc les enfants avaient accouché via les enfants. Et il y avait encore peut-être 3 ou 4 personnes comme moi qui étaient les enfants des cousins de la mère. On était tous à la maison. Quand on déposait la mamite au feu là-bas, c'était une costaud de mamite comme ça, là. Une grosse mamite. Quand on préparait la sauce gombo, c'était lolo. Avec le mbunga. Imagine, on prend un gros kumbu comme ça, là, on met au feu. On prend le gombo de 500, on tape, on tape, on tape. On met l'eau dedans. On met beaucoup de cubes avec le piment. Et quand j'étudie les enfants de cette femme aujourd'hui, les enfants ne se sont pas inspirés de la souffrance de leur mère. Récemment, je suis allée là-bas, j'ai vu toutes les femmes, les filles de cette femme ont accouché. Elles sont venues déposer chez la mère.
Et les enfants de ces filles dorment sur le même lit où ces filles dormaient quand elles étaient jeunes. Je crois qu'une ou deux d'entre elles dorment avec leurs enfants sur leur lit d'enfance. Un lit en étage comme ça. God, this is too much. J'ai les membres de ma famille qui me regardent. Hein. Je sais que vous suivez souvent mes vidéos. J'ai compris que quand on nous accouche et qu'on sort du ventre, dès qu'on est sorti du ventre, chacun choisit son destin. Tu ne peux pas pousser ton frère à avancer si ton frère ne veut pas avancer. Ma chérie, ne te casse plus. Garde tes bavardages. Garde ton argent pour essayer de faire son visa tout le temps. Lui-même, il n'est pas conscient. Laisse-le. Ah, ah. Même ton gars, tu vas forcer le gars à avancer. Tu connais l'énergie que ça te demande de parler à un homme. Après, viens te dire que c'est lui l'homme de la famille. Pardon, garde ta bouche, mamie. Tu ne peux pas changer le destin d'un homme ou d'une femme. Mais ta part. Oui, t'as pas. Tu as le téléphone dans la main, non? Tu peux décider de fermer mon direct. Essaye un peu. Quitte mon direct ou pas. Tu peux le faire, non? Imagine quelqu'un d'autre regarder. Tu vas lui dire que arrête là, ne regarde plus la femme là. Il faut que ta volonté vienne pousser la volonté de la personne pour qu'il prenne sa main pour éteindre le téléphone. Alors que quand c'est toi seul, tu prends ta propre volonté. Tu pousses, tac, tu arrêtes. Voilà la puissance que vous avez. Voilà, Lovely Simon. Tu étais 6e sur 9 enfants. Les plus pauvres du quartier. C'est bien parce que tu es parti, tu as inspiré les autres. Voilà. Je dis toujours, j'en ai. Peu importe le début de ton histoire. J'ai commencé il y a cela 5 ans, je me suis assise et j'ai écrit mon histoire moi-même. Oui, oui, oui. J'ai commencé à écrire mon histoire. Voilà mon histoire, je connais le début de mon histoire. J'ai grandi à tel endroit. Quand j'étais petite, on pouvait m'envoyer. Je n'avais pas le choix de chez qui je partais. Quand j'étais petite, on me mettait à l'école. Je n'avais pas le choix de l'école où je partais. Mais quand j'ai eu tel âge, j'ai commencé à décider ça. J'ai commencé à choisir ça. J'ai commencé à dire que je pars comme ça. J'ai commencé à voir ça pour moi. Et quand je vais mourir, je serai comme ça. J'aurai ça. J'aurai fait ça. Moi, je n'ai pas le pour quelqu'un. Je n'ai pas fait le plan de vie de quelqu'un. Même mes propres enfants, je les fais asseoir. Ma fille a son plan de vie qu'elle a écrit depuis qu'elle a 8 ans. Je lui dis toujours que je ne ferai pas ta vie pour toi. Si tu veux échouer, ne te dérange pas. Moi, j'ai avalé la honte. J'ai bu l'eau, c'est passé. Je suis déjà parti au toilette, c'est sorti. Il me dit que hey, ta fille a échoué. Ton fils a échoué. Hein? Vous me connaissez. Quand je parlais, il ne faisait pas. Quand il me levait pour faire ma part, je disais que voilà pour toi là-bas, fais. Il ne faisait pas. Et je leur disais que demain, s'il faut souffrir, tu souffriras seul. Je ne serai pas dedans. Je dis souvent aux enfants que je coach, quand j'enseigne aux enfants, je leur dis toujours que qui d'entre vous connaît la mère de Etofis? Qui connaît le père d'Etofis? En tout cas, moi, je ne connais pas. Est-ce que quand on parle de sa mère d'Etofis, on dit que sa mère d'Etofis, le fils de monsieur Eto, nanana? Non.
On dit Samuel, point. Le monde entier le connaît. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas son fils. Voilà. Chacun a sa pioche dans sa main. Il creuse lui-même. Chacun creuse. Ton mari ne va pas creuser pour toi. Ta femme ne va pas creuser pour toi. Ton père ne creusera pas pour toi. Celui qui peut entendre, il entend. Celui qui peut agir dessus, qu'il agisse. Vous aurez seulement vos larmes pour pleurer. Lavez-vous avec le sel. Ma reine, tu sais, le bain de sel là, moi j'ai essayé ça. Je me lave avec ça de temps en temps. De temps en temps, c'est le nom de qui? Tant ce qui? Randy, c'est que j'ai décidé de proverbe ça. Que n'utilise pas ton savon pour laver le chien noir. Oh my god. Tu finiras ton savon, le chien sera toujours noir. Oh my god. Oh là 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 là, vous êtes terrible. Je veux que vous compreniez la puissance de votre volonté sur votre destinée. La puissance de votre volonté. The power of your will upon your own destiny. You don't know it yet. Ce n'est pas parce que tu as arrêté l'école sans avoir le bac que tu vas échouer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as bossé pour arriver en bain, l'autre a pris l'avion pour arriver en bain, que comme il a pris l'avion, il va arriver en bain, il va réussir avant toi. Tant que tu vis et tu respires, tu as les mêmes chances que tout le monde sur cette terre. Parce que tu ne sais pas. Et tu ne les utilises pas. Tu te morfonds, tu te lamentes, tu fais comme tout le monde. Tu agis comme tout le monde, tu seras monsieur tout le monde. Vous savez que la majorité de la population est pauvre, non? Continuez. Nous vous observons. Nous vous observons. Bonjour. Bon, je vais demander, je vais dire que l'atelier qu'on va faire ce soir, on va commencer à 20h. On va finir à 12h30. Il y a les lavages aussi. Lavage du premier, c'est demain. Lavage de nouvelle année, c'est demain. L'atelier, à partir de 10h, l'atelier va coûter. La conférence de ce soir, ce sera 25 000. Depuis hier, je vous parle, vous ne prenez pas. C'est bien ça, Pamela. Oh, c'est Pamela. Mais t'as pas de rêve là. Ce qui est bizarre dans le rêve là, c'est que tu attends toujours. Tout rêve que tu fais, que tu attends toujours que quelqu'un vienne bouger là. Ton rêve doit avoir ton plan d'action. À 90%, tu planifies ce que toi tu dois faire. Tu laisses 10% à Dieu. On dirait, je laisse tout à Dieu. On ne laisse pas tout à Dieu. La fille qui a chanté ça, elle a l'argent. Indira est riche. Quand elle dit qu'elle laisse toi à Dieu là, pourquoi elle n'a pas laissé ça à Dieu? Dieu chante pour elle. Bonne journée à vous. À ce soir, hein, à ce soir. Donc, soyez déjà connectés sur Zoom à 20h. Le lavage, c'est demain. 20h, on va entrer dans la nouvelle année en force. Je veux casser vos mentalités là. Je veux les milliardaires pour 2023.
Vous êtes dit qu'on va faire des conférences, souvent on va arriver en hélicoptère. On viendra à des conférences de Bentley. Tu n'as pas la Bentley, tu ne viens pas. C'est pour bientôt. Bonne journée.